Harry. T'es vivant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis pas loin de trouver le docteur Connors. J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote et je te rends ton costume direct. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Le plomb des conduits perturbe le signal du mouchard. Où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il y a une caméra de sécurité ici? Réparer les dégâts du lézard. On va commencer par cette canalisation. Lézard pour mettre les égouts en bordel comme ça. Sa tanière est sur une ligne de métro désaffectée. C'est du gaz que je sens. Je crois pas que c'était un accident. Connors ne veut pas qu'on le suive. Il a fracassé une canalisation. Sûrement pour inonder les tunnels derrière lui. Sérieusement? Encore une caméra. C'est pas vrai. Oscorp a installé un labo dans les égouts? Norman avait dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque. Mais sans le répertorier. Pourquoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo? Pourquoi il a noté des coordonnées célestes? Ce symbole. Je savais pas que Connors avait étudié les langues anciennes. Ça doit être pour les caméras dans les tunnels, ça. Ils ont aussi une salle blanche? Attends. C'est notre accélérateur de particules de la Fondation? Connors s'en serait servi pour analyser du minerai? Ça. Super, il n'y a plus de jeu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ?
C'est pas celui-là. Ah. Non plus. Salut, Doc. Prêt pour votre check-up annuel? Ça va le faire. C'est pas la première fois, Connor! Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide! Scientifique! Vous avez fait des erreurs! Mais c'est pas obligé de punir comme ça! C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? C'est ça que le vrai problème! Pensez à votre femme! À votre fils! Ils ont besoin de vous! Vous voulez quand même pas priver votre fils de son père? Vous devez vous battre! Pour lui! Déchaîné dans les rues de New York! Je refuse de le croire. Stop! Vous faites du mal aux gens! Génial! Les flics vont s'en mêler. Attention, reculez! Vite! On occupe, officier!
policier. Vous n'aidez pas, là. Vous vous fichez de moi, Connors ? J'ai pas envie de faire ça! Restez tranquille! Chasseur! Sérieux? Vous l'aurez voulu! Saleté de chasseur! Je vous ai dit de pas vous emmêler! Les arts commencent à me gonfler. J'ai pas le temps pour ces trucs. Connors ! C'est parti ! J'arrive pas à percer la peau. Un aiguille est coincé. Je refuse de perdre cet antidote. Oh putain! Qu'est-ce que tu vas faire tout en haut? T'envoler? Fini de courir! Génération, c'est trop cool. Et trop crade. Très bien. Si je dois vous faire du mal, alors tant pis. Après toutes les fois où je vous ai aidé, je pensais que vous seriez conciliant pour une fois. Je évolue beaucoup trop vite pour moi. Je ne peux pas laisser là-haut infiniment. J'ai trop peine pour reprendre le contrôle, hein? Je vais devoir vous assommer moi-même. Je comprends que votre famille vous ait quitté. Vous n'êtes pas assez fort. Ils ont peur de vous, et vous le savez. Thank you.
L'étoile devrait le ralentir, le temps que je glisse vers lui. Où est-ce que vous avez eu ça? Harry Osborn. Il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. Thank you.
C'est par ici. Wow, wow, du calme. Je vais regarder de plus près. Ça va, ça va. C'est facile. Faites-le. C'est quoi ce truc? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Donc je porte un alien? On appelle ça un symbiote. Et, il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Et, dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné? Exactement. J'étais blessé. Et il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire? Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. MJ, content de t'avoir. Ça va bien? Ça va. Je fais un peu de rangement à la maison. J'ai pris des nouvelles d'Harry. Mais ça va, toi? Il parle de ta poursuite avec le lézard aux infos. Oh, ça va. Connor s'est guéri, et le costume, ça, c'est ton acier. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et c'est un extraterrestre. C'est dingue, non? Attends, quoi? T'as pas l'air très inquiet. Si, quand même un peu, mais... sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connors. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. Sans blague, t'as vu ce que vous avez fait au musée? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Pas moi? Il fallait bien que je le soigne d'une manière ou d'une autre. J'aurais dû faire quoi? Le laisser mettre la ville totalement à sac? C'est pas de ça que... Je vais rester ici pour travailler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour un article qui peut emballer Jonah. Peut-être que je te le ferai lire si... si tu rentres tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend? Oh, ça doit être le stress de la page blanche. Il a peut-être besoin d'être seul. Pendant ce temps-là, voyons voir qui a besoin de notre aide.
Un photographe en herbe qui a besoin d'aide? Je m'en occupe. Quelqu'un a besoin d'aide pour un projet photo? Bon, je vois pas ce que Spider-Man peut y faire, mais ça coûte rien d'essayer.